Chrétien, la paix de Dieu avec nous. Nous vivons dans un pays côté que l'environnement nous dégradé. Et tout côté haïtien passé, il prend un pile mépris. Parce que nous vivons dans un pays qui tant que son boîte fatra. C'est malheureux pour me dire ça, mais c'est en réalité, c'est ça nous vivons. Et présence moi là aujourd'hui, c'est pour que me fasse parler ensemble avec nous. Il y a un moyen pour me chercher conscientiser nous pour nous connaître qui est important ça gagne pour nous protéger l'environnement nous. N'a pas avancé sous même type de plan que nous gagnons dans l'église là comme méthode là que n'a passé un message. Par exemple, et pour ça faire environnement, n'a pas gardé mécanisme de l'homme, maladie de l'homme et médicaments de l'homme. Qui ça nous gagne dans le mécanisme de l'homme? Nous voyons que l'homme t'a supposé vivre dans l'harmonie avec la nature. L'homme supposé a toujours prend soin de la nature. L'homme supposé vivre dans un environnement qui sain pour respirer l'air pur, pour le servir avec de l'eau propre et pour le cultiver un sol qui n'est pas contaminé. Dans Genèse 2, verset 15, la parole l'a dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Qui sa parole ça voulait dire en termes de préservation de l'environnement? Nous voyons que l'homme, bon Dieu, bah, l'homme, il y a un côté pour le cultiver, pour le produire, pour le vivre, et en plus pour le capable de protéger, pour le capable de préserver. Donc, quelle responsabilité que nous-mêmes nous gagnons comme l'homme pour nous vivre bien? Quelles conditions, bon Dieu, te bah, nous pour nous vivre bien dans la nature? Il y a nos conditions pour nous protéger les plantes, pour nous protéger tous les oiseaux du ciel, tous les micro-organismes qui sont dans le sol, tous les poissons de la mer et tous les animaux des champs. Et ces conditions, ça va être bon pour nous vivre en santé sous la protection de Dieu. Quand on a nous parlé dans la maladie de l'homme, maladie de l'homme, qui ça nous-mêmes nous fait comme l'homme? Nous avons des activités économiques, nous produisons de biens et de services et nous consommons. Cependant, nous ne soucions pas des aspects environnementaux et nous ne soucions pas tout, nous ne prêtons pas attention à des impacts de consommation nous gagnons sur l'environnement. Là, nous parlons de aspects environnementaux. Qui ça nous voulait dire exactement? Par exemple, là, nous consommons, par exemple, là, si nous faisons fête, on mettait par exemple, récemment, là, dans la semaine, là, nous avons fait fête de Pâques juives. Dans la fête Pâques juif là, nous te distribuer la nourriture. Nous baillons jus dans un cœur plastique. Et puis nous distribuer cassave avec viande, avec salade. Dans qui ça? Dans un sachet plastique. Ok? Là, nous gardons l'aspect environnemental qui vient dans ça. Nous voyons que nous distribuer nourriture de des emballages jetables. Ça veut dire que plastique jetable
Et ça, chair plastique, nous te distribuons cassava avec viande, rejetable. Ça veut dire que automatiquement, nous produisons déchets non biodégradables qui pour aller qui côté, qui pour aller dans la nature. Et qui ça, déchets ça, vous pouvez le faire? Vous pouvez le détruire l'environnement. Parce que même la mairie, même SNGAS, même service public, vous n'avez pas un côté vrai qui est normal pour jeter fa, pour jeter fatra. Nous-mêmes, nous faisons fête. Nous satisfaisons besoin nous et nous produisons des emballages jetables, nous produisons des déchets plastiques, nous jetons dans l'environnement. Ça, c'est l'aspect environnemental. Et qui impact environnemental ça fait, c'est que sachets plastiques, que plastique, qui ça va pas le faire, ils vont pas aller dans la nature, poisson, ils vont pas aller dans la nature, par exemple, à qui côté nous jetons fatra, au cap, c'est dans mon gouave là, et toute fatra, ça va qui côté aller dans la mer. Et qui ça qui s'est passé? Poisson manger déchets plastiques ça et poisson ça vient contaminé. Et les poissons ça vient contaminé, poisson ça vient qui côté? Il vient dans assiette nous après. Et nous manger des poissons empoisonnés et après nous gain cancer. Mais si nous-mêmes n'a prié en l'évangile pas mourir, il y a un bagage que bon Dieu te ban nous comme tâche qui ça, c'est protéger l'environnement nous. Qu'on y a que qui ça qui s'est passé dans la mer avec les poissons manger de particules plastiques? Eh bien, c'est la pollution. Et qui sa pollution fait? Pollution, tuer nous. Est-ce que nous avons envie de mourir? Non, nous n'avons pas envie de mourir. Eh bien, selon Global Burden Disease, il y a un organisme qui a contrôlé et cause la mort dans le monde. Il y a que la pollution peut-être seulement les tuer 9 millions de monde chaque année dans le monde. 9 millions de monde mourir à cause de pollution. Nous mêmes chrétiens qui prêchons l'évangile pas mourir, nous supposons garder dans quelle position nous sommes face à la pollution pour nous capables de protéger tête nous. Parce que la foi, pas seulement dans la prière, la foi c'est dans les actions. Là nous sommes parlé de maladie de l'homme. Qui médicament de l'homme qu'on y a là par rapport à ça? Eh bien, chrétien pas doué chita bois croisé face à la pollution. Chrétien pas doué chita bois croisé face à un environnement qui a dégradé. Chrétien pas doué chita bois croisé face à un pays côté mon a marché sous fatra qui méprisable. Parce que là nous bien plus fatra, nous venons non seulement fatra pollué, n'a respiré on l'air qui pollué. Nous avons servi dans de l'eau contaminée, l'infini, nous avons un sol encore qui est contaminé, qui fait que nous manquons, qui fait jardin, qui fait que nous avons mangé de bagages contaminés, nous avons mouru. Les chrétiens doivent organiser nous devons organiser nous comme chrétiens. Il y a un pays qui a plus de chrétiens là-dedans, parce que tout l'autre secteur, nous plus que 54%. Nous supposons organiser nous pour nous avoir un pays qui est propre. Jean bon Dieu te mandé nous ça depuis dans Genèse 2, verset 15. Donc, chrétiens ont une lourde responsabilité. Et qui ça chrétien qui a fait encore? Nous devons bousculer la routine. Bousculer la routine, vous voulez dire qui ça? Même vieille méthode, nous gagnons, que nous avons gagné depuis bien longtemps, que nous avons traité déchets, qui a détruit l'environnement, c'est pour nous mettre ingéniosité dans tête. Parce que bon Dieu, bon nous un cerveau pour nous capables de réfléchir. Bon Dieu, bon nous un cerveau pour nous capables. Bon Dieu, son créateur qui fait de nous à l'image de lui-même pour nous capables de créativité. Nous devons trouver des moyens, des astuces nouvelles pour qui permettent que nous créer, réduire les déchets que nous produisons. Par exemple, là, si nous connaissons nos pays, côté que là, nous, plus nous produisons des déchets, c'est plus de déchets aller dans la mer, pour contaminer la mer. C'est plus de déchets là, cause que et l'air pollué. C'est plus de déchets permettre que nous mangions des manger contaminés. Eh bien, nous devons faire des efforts pour nous capables de produire moins de déchets. Par exemple, si nous organisons une fête, nous devons essayer de trouver des astuces pour nous produire moins de déchets possible. Ça veut dire, au lieu que nous servions avec des emballages jetable, par exemple là, si nous, son côté, c'est nous baillons de l'eau, c'est dans le cube, nous baillons,
plutôt nous trouvons moyen que chrétiens yo faire des sacrifices, marcher avec un petit galon, marcher avec un petit bail pour nous côté nous pour distribuer de l'eau, bien côté nous pour distribuer GIA, nous finir avec propre petit vaisseau nous tant que là nous voyons tout l'école, nous voyons avec un petit thermos. Et mais si par exemple là les prochaines fêtes Pâques juives, l'église a demandé pour tout le monde finir avec un petit thermos. Qu'on est là, ils organisent, ils font faire distribution. Chaque monde ils font des jouets dans un petit galon. Nous boyons, laisse ça nous pas créer des queues pour polluer l'environnement. Il y a des bagages que ils ont commandé nous qui pas facile pour faire. Mais si nous besoin tout bon vrai protéger l'environnement nous pour pollution pas tuer nous, il faut que nous fassions des efforts, il faut que nous trouvions des astuces. Il va être obligé ce samedi pour nous faire exactement, mais il faut nous trouver moyen pour nous réduire les déchets. Si que par exemple là, il y a distribué manger par exemple là viennent avec cassave là dans sachet plastique, nous connaissons plastique là lui-même, il pourrait le faire un paquet dans l'environnement, même si la gagne dans la mer, il pas dégradé et poisson qui pour manger le quand même nous pour nous manger poisson en tout. Mais les ça nous cas dit OK, on nous préfère trouver un moyen, trouver une forme de papier, par exemple papier emballage, d'organiser, nous mettre en façon, nous mettre viande ensemble avec qui cassave là-dedans, c'est pour permettre que si c'est papier qui est dans l'environnement, papier lui-même est déjà fait ensemble avec bois, papier c'est naturel, ou quand même mettre papier dans compost. Ça veut dire que pour que nous créions des emballages biodégradables au lieu des emballages non biodégradables qui pourraient détruire l'environnement. Donc nous-mêmes chrétiens, nous devons prendre responsabilité. Chrétiens sont supposés organiser, puis marcher, prêcher l'environnement, même j'en ai prêché le monde pour nous capables de retrouver les âmes perdues. Chrétiens sont supposés prendre affaire protection environnement au plus haut degré. Parce que problème environnement crée misère, problème environnement crée des troubles psychiques, parce que comme si on regarde un pays toute la journée qui s'allait fatra, ça déstabilise. Tout ça rentre dans le cadre, nous on se dit de mon fou, l'environnement dégradé, tout ça à la cause ça. Là nous on l'a appelé fatra, tout ça a déstabilisé nous. Nous devons créer des moyens. Par exemple, si vous-même, vous chrétien, vous vend dans le marché, vous marchez dans le marché qui n'est pas même si trop loin. Tant pour aller devant machin dans deux mains vides, pour machin dans bon sachet plastique avec un boîte, préférez que vous même ou bien vaisseau propre vaisseau dans marché là ou l'acheter dans mon machin là, parce que l'offre fin manger dans boîte à une seule fois ou produit un déchet qui pourrait aller tout droit dans l'environnement et déchet ça tôt ou tard il peut tourner sur vous. Et puis les petites nous malades nous faut nous garder tout pour nous pas voir que c'est seulement prier pour nous prier, mais il faut nous connaître que la pollution tout capture nous et que nous avons des actions, responsabilités que bon Dieu bat nous pour nous protéger l'environnement, pour nous vivre bien. Que bon Dieu bénisse nous. Merci.